Salut à tous, la clé c'est la Bible, épisode 36, et je vais vous expliquer, comme je l'ai précisé dans le titre, comment voir en un clin d'œil si on est un utilisateur standard ou un super utilisateur. Là, j'utilise ZSH. Par convention, l'utilisateur de base sous ZSH a un prompt, le prompt c'est ça, qui se termine par le symbole du pourcent. Si je passe en bash, c'est un dollar. Et je crois que sauf erreur de ma part, pour CSH et TCSH, c'est aussi un point de. Enfin, c'est le pourcentage. C'est l'indicateur comme quoi on est connecté à un utilisateur simple. D'ailleurs, il y a une commande qui s'appelle Who am I, qui suis-je, qui donne le nom d'utilisateur courant. Bon, c'est mon compte Fred. Si je m'appelle. Jean-Luc trou du cul de la merdière, ça sera Jean-Luc, par exemple. Voilà, c'est pour vous dire. Le Who am I répondra le nom d'utilisateur. Mais comment savoir si on est en route? Donc là, je fais SU, me connecter directement en route. Et vous voyez, la différence, c'est que le prompt se termine par une dièse, ou un croisillon. Et si je fais un Who am I, il me répond, je suis mis en route. Et même si je mets un bin bash, que je fais SU, il me répond avec le route avec à la fin la petite dièse. C'est un indicateur en quelques secondes pour dire tu es connecté en tant qu'utilisateur simple ou en tant qu'utilisateur en route. D'ailleurs, c'est une simple remarque qui est basée sur 9 ans et des broutilles d'expérience sur Arch Linux et 12 ans sur Linux tout court. On ne se connecte jamais en route. Jamais. Après, si vous faites des conneries, c'est pas mon problème. Ah oui, un tout petit truc par rapport à l'utilisation de la commande sudo. Parce qu'elle est mal comprise. J'ai pu voir des incongruités monstrueuses. Et si on fait un man sudo, c'est bien précisé, ça vient de BSD, c'est execute a command as another user. Exécuter une commande comme un autre utilisateur. Et par défaut, par convention, c'est en tant qu'utilisateur root. Donc, si vous êtes en root, il est inutile de faire sudo suivi d'une commande pour l'exécuter. Ça sert strictement à que dalle. C'est comme enfoncer une porte ouverte, ça ne sert à rien. Sudo vous ouvre la porte, enfin, vous êtes en contrôle, vous avez accès à toutes les portes sont ouvertes, et vous voulez foutre un coup d'épaule en disant sudo. Mais ça sert strictement à que dalle. Donc si vous voyez des vidéos où des personnes sont connectées en route en voyant le petit croisillon à la fin, le petit dièse, et qui sortent sudo, posez-vous des questions. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao !